Ce samedi, pardon, et les jours précédents, on est en Israël en pleine célébration de la fête juive de Yom Kippour, qui, je pense que peu de vous peut-être le savent ou s'en souviennent, est le jour du grand pardon. Ce jour expie seulement les fautes commises envers Dieu, mais non envers autrui. Ce qui n'empêche pas que l'attention est captée ces jours-ci par le scandale monstrueux où l'armée israélienne non seulement s'en prend au Liban, à la bande de Gaza, à la Cisjordanie, à la Syrie, mais en plus à la FINUL, qui sont les forces des casques bleus basées au Liban. Vendredi, il y a eu de nouveaux tirs israéliens sur une position des casques bleus sri-lankais dans le sud du Liban. Ceci près d'une tour d'observation. Deux soldats ont été blessés, dont un suffisamment grave puisqu'il a été transféré dans un hôpital et l'autre soigné sur place. Jeudi, c'était deux casques bleus indonésiens qui avaient déjà été blessés. Ça fait un scandale. Mais jusqu'où cela ira-t-il dans les protestations internationales qui sont en train de prendre, n'est-ce pas, le dessus sur le reste de l'actualité dans les informations? L'armée israélienne poursuit ses bombardements intenses sur la banlieue sud de Beyrouth, comme sur le sud du Liban où elle divisait les positions du Hezbollah. Jeudi soir, la capitale du pays a été la cible d'une double frappe, cette fois au cœur à l'intérieur de Beyrouth. Cette frappe a fait au moins 22 morts. Donc à chaque fois, Israël et les Libanais en sont conscients, ils ont l'impression que ce qui s'est passé sur Gaza est en train de se passer chez eux. Votre camarade, secrétaire départemental de la Fédération de la vie pensée, de l'Hérault qui a été convoqué au commissariat. Il est l'objet d'une plainte de la part de la préfecture, de monsieur le préfet. Ce courrier a été envoyé à tous les signataires. La lettre dit la chose suivante. Nous vous informons qu'un cran a été franchi dans la répression. En effet, notre secrétaire départemental est maintenant visé par une plainte en diffamation du préfet de l'Hérault. Pour que vous puissiez avoir les éléments, nous informons que deux choses sont reprochées à notre camarade. En premier, la lecture d'un passage d'un texte national de la Fédération nationale de la libre pensée lors de la conférence de presse publique du 3 septembre, dans lequel il était écrit « Tous les présents à l'audience ont pu voir au grand jour la collusion ouverte entre les complices des génocidaires, le préfet et le président du tribunal administratif. » Alors que le génocide à Gaza est toujours en cours depuis maintenant un an, c'est le tour du Liban. Exécution extrajudiciaire, utilisation de nouvelles technologies meurtrières, tapis de bombes provoquant l'exode de centaines de milliers de civils, familles entières pulvérisées, les méthodes utilisées à Gaza sont à présent appliquées au Liban. Ne nous y trompons pas. Au Proche-Orient, Israël est le bras armé des États-Unis et de l'Union européenne. Il fait ce que l'OTAN n'est pas en mesure de faire. Il le réalise avec des armes occidentales et avec le parapluie diplomatique de l'Occident. Parce qu'il est voisin d'Israël, parce que des centaines de milliers de Palestiniens y ont trouvé refuge en 1948, parce que l'Iran est un allié du Hezbollah, le Liban est à nouveau attaqué. Après la participation d'Israël aux côtés des phalanges, un parti fasciste, pendant la guerre civile libanaise, après les invasions meurtrières de 1978 et 1982, après Sabra et Shatila, après 20 ans d'occupation du Sud-Liban, après les guerres de 2000 et 2006, le gouvernement israélien attaque à nouveau le peuple libanais avec l'espoir de mettre des collabos à sa tête. L'UJFP appelle tous les progressistes à soutenir le Liban. En même temps, il faut dénoncer les dirigeants occidentaux qui peuvent arrêter Netanyahou et qui ne le font pas.
cette complicité achève de détruire le droit international, ou plutôt ce qu'il en reste.